Bonjour, bonsoir, amis internautes et auditeurs. Jeudi, dans la rubrique Environnement et Santé, nous avons présenté un numéro sous gaz échappement qui sort dans le matériel motorisé et impact qui a gagné sur la santé. Avec nous comme invité, c'est le docteur David Donson, qui est chimiste de formation. Li gagne un doctorat dans sciences environnement ak yon spécialité sous changement climatique. Li enseigne chimie ak biochimie dans l'Université d'État d'Haïti ak l'Université Kiskeya. Qui ça gaz échappement matériel motorisé yoye? Et puis qui ça qui composé série gaz sa yo docteur Nonsan? En parlant de gaz d'échappement qui sorti dans capable dire matériel qui motorisé yo. Et c'est un ensemble de composés et qui gagne la donne différents composés chimiques son mélange la donne bien sûr il y a des gaz qui sont des gaz d'échappement mais ça pour nous rappeler que c'est pas seulement des gaz qui sortent lorsque il y a un carburant qui brûle mais il y a l'autre tout de substances parmi les substances ça il y a des poussières et des fines particules mais qui accompagnait ce qu'on appelle des composés organiques, qu'on appelle des HAP, qui sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Maintenant, il y a un gaz, certes, qui a le gaz d'échappement, mais ce n'est pas seulement des gaz. Comme on dit, il y a un HAP. Mais pour gaz, il y a par exemple monoxyde de carbone, CO, il y a oxyde d'azote. Par exemple, là-dedans, il y a dioxyde d'azote et monoxyde d'azote. C'est gaz ça qui en grande partie que nous trouvons dans gaz d'échappement. Mais pour me dire tout, il y a d'autres molécules organiques capables d'avoir des problèmes tout, par exemple les HAP, par exemple si nous prenons benzopyrène, OK, qui capable d'avoir des problèmes pour la respiration, qui capable d'avoir des problèmes au niveau du poumon, par exemple des cancers au niveau du poumon et au niveau de la vessie. Mais et pour me dire que tout a des impacts non seulement sur l'environnement, mais capable aussi des impacts sur la santé. En gros, c'est ça qui est les gaz d'échappement. Ils sortent directement à partir de combustion et qui fait au niveau de matériel qui motorise. Ils utilisent carburant. Maintenant, lorsque le carburant ça a brûlé, on va le bailler des produits. Là-dedans, il y a des gaz, bien sûr, mais aussi d'autres composés et organiques qui capable bailler des problèmes à la santé et à l'environnement. Qui implication gaz échappement ça y est dans pollution l'air et environnement? D'abord, si nous prenons la question de la pollution l'air, là, par exemple, il est capable de causer des problèmes dans le cas de monoxyde d'azote ou bien dioxyde d'azote. Et directement pour l'air, là, si on respire, on va avoir des problèmes, on doit faire des gratter ou les bords des problèmes, on va piquer ou c'est à cause de l'azote qui est là-dedans, là, composé qui est monoxyde d'azote ou bien dioxyde d'azote. Mais contrairement à ça qui composé gaz qui est azoté, contrairement à eux-mêmes, ou alors composé et carbone, par exemple monoxyde d'azote, lui-même il peut pas sentir parce qu'il pas grand odeur ou pas pressentir, il pas grand couleur. Mais quand il y a assez sous urinaler sous un espace bien, il va avoir des problèmes, on pas respirer bien par exemple. Ça c'est pour l'air là qui va respirer. Hein. Mais si nous allons de façon plus large pour l'environnement en soi, et gaz ça plus particulièrement est composé azoté, ce sont des gaz à effet de serre. Maintenant, il parle vin ba une sorte de effet de serre additionnel qu'on a qui parle impacter question réchauffement climatique là. Donc est capable entrer directement dans la pollution l'air là, mais aussi impacter climat parce que ce sont des gaz à effet de serre, il parle ba une sorte d'effet de serre additionnel contrairement à l'effet de serre et naturel. Si bien comprendre professeur Nonsan, en Haïti nous souvent dit non pas un pays qui industrialisé, ça veut dire nous pas émettre en pile gaz à effet de serre. Est-ce que quantité motocyclette qui roule dans le pays d'Haïti yo gen risque pour augmenter quantité gaz à effet de serre yo? Oui, bien sûr, ça peut vraiment impacter l'environnement parce que et comme je dit au commencement, depuis qu'il y a un carburant qui a brûlé, avec matériel qui motorise à utiliser carburant qui a brûlé, mais il parle des gaz, il parle des produits qui sortent dans la combustion. Eh bien, tout ça va amplifier et pollution environnement à partir de gaz ça. Et parce que tant qu'on a plus quantité de moteur qui a marché par jour, par exemple, tant qu'on a utilisé carburant, eh bien, il y a bien plus dégagement de gaz ça qui va polluer l'environnement, qui va jouer un rôle de effet
et la question et effet de serre additionnel là qui pourrait plus réchauffer le climat, qui pourrait polluer, qui pourrait avoir un impact non seulement sur l'environnement mais sur la santé nous, par exemple sur le plan par exemple et on pas pas respirer bien, on pas des malaises, vomissements, tout ça etc. Et en, dépendamment de quantité en tout dans milieu qui expose même qui est capable même priver de tuer la vie au monde. Ça veut dire que ça a impacté directement l'environnement. Et il y a un autre aspect tout non seulement dans le gaz ça comme était directement dans le gaz comme tu sais pas seulement gaz qui sorti les produits qui c'est HAP ça yo hydrocarbures aromatiques polycycliques par exemple les déposer par exemple sur une plante par exemple on prend plante ça ou utiliser par exemple pour manger pour fêter et bien les ça ou ingérer et produit ça yo qui en grande partie c'est cancérigène les ça va avoir des produits des cas de maladies etc des maladies cardiovasculaires etc par exemple plante là des possibilités pour les absorber produit ça yo ou même on va l'utiliser non seulement sur si nous allons dans la plante même au niveau des rivières par exemple si nous gagne des êtres aquatiques qui vivent dans la rivière yo dans la mer etc qu'on a produit ça au tomber par exemple dans l'eau ça des poissons qui accumulé yo ou même on va le manger poisson ça mais il y a un impact sur vous même ça veut dire que c'est tout est fait ça va bien oui tant gagne activité à partir de matériel motorisé qui utilisait des carburants, bien sûr, il peut produire plus de produits, soit des gaz ou bien d'autres molécules qui peuvent impacter l'environnement, y compris nous-mêmes qui vivons dans l'environnement. D'après plusieurs études, le Centre international de recherche sur le cancer démontré que gaz échappement matériel motorisé augmente le risque cancer pour le monde. Est-ce que dans le pays d'Haïti, il y a quelques données qui sont disponibles sur la question ça? Oui, comme tu dis, et gagner ça pour nous bien comprendre, là nous parler de gaz d'échappement, yo, généralement c'est terme utilisé pour parler de yo, ça qui sortit dans combustion moteur yo. Mais c'est pas seulement des gaz, il y a des molécules organiques qui cancérigènes là-dedans autour. Ça qu'on nous très clair sur lui. Maintenant, on va voir par exemple si nous prend qui impact et par exemple nous capable poser des cas de maladie si nous prenons monoxyde de carbone si nous prenons dioxyde d'azote monoxyde d'azote oui yo capable impacter nous OK par exemple si nous prenons monoxyde de carbone lorsque on inhale il va remplacer oxygène au niveau de l'hémoglobine au lieu de gain oxyhémoglobine on va gain carboxyhémoglobine qu'on a une fois qu'on pas gain assez d'oxygène qui va le transporter au niveau du sang pour permettre de respirer bien mais c'est monoxyde de carbone qui prend place là les sont pas bien respirer les ça ka gain par exemple vertige vomissement nausée tête fait mal jusqu'à ce qu'on capable arriver à la mort parce que on pas gain assez d'oxygène pour respirer monoxyde de carbone prend place oxygène OK si nous prenons par exemple pour ça qui azote yo soit monoxyde d'azote ou bien dioxyde d'azote tout le temps hein yo capable avoir des problèmes on a gratté vous yo a gratté vous des problèmes respiratoires OK mais pour y a gros cause yo c'est pas ça c'est pas des gaz yo mais c'est des molécules qui accompagnent produits qui sorti dans combustion yo OK qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques et bien yo même vraiment suivant des études qui montraient différentes études soit au niveau des pays et européen ou bien dans pays Amérique latine non, ou bien en Amérique ils ont montré que vraiment ce sont des produits qui sont cancérigènes par exemple nous prenons là-dedans par exemple si nous prenons benzopyrène les mêmes dans catégorie 1 toxique les toxiques les causent vraiment des problèmes de cancer au niveau des poumons et au niveau de la vessie et puis il y a l'autre tout qui est potentiellement toxique pour l'homme ça va dépendre de à quel niveau exposé lui ça va dépendre de quelle quantité et que où inhaler qui va poser des problèmes. Par exemple, il y a Paracel qui dit que tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Ça va dépendre de qui quantité que vous inhalez qui va poser des problèmes. Mais vous reconnaissez comme produit ça qui c'est des produits qui toxiques, des pour inhaler quand même il peut développer des cas de maladie, par exemple des cas de cancer. Par exemple, il y a des études qui montrent ça dans des pays étrangers, par exemple dans le cas du Canada, qui montrent vraiment il y a un pile de monde qui exposé à des gaz ça soit au niveau du lieu de travail yo yo montré vraiment des risques de cancer par exemple cancer poumon cancer vessie ou bien au niveau du système cardiovasculaire c'est parce que était exposé à gaz ça
pas seulement gaz yo, mais produit qui a sorti dans combustion moteur yo qui vient faire que yo développer type de maladie ça. Il y a des données qui disponibles qui montrent même pas exactement chiffre. Oui, il y a des données qui disponibles qui montrent vraiment les monde exposé parce que c'est pas seulement nous-mêmes qui mieux au monde qui a marché dans la rue qui inhalé l'air ça, mais au monde qui dans le travail et tout. Par exemple, si ou dans le travail ou a utilisé par exemple un matériel motorisé, ça va dépendre côté le placer, mais la produit gaz ça. Mais au même temps au niveau de la caillou, c'est ça ne pas qui nous ne pas porter attention à ça. Nous utilisons par exemple propane. Et mais lorsque propane brûle tout, les bases de gaz et par exemple monoxyde de carbone. Oui, les bases monoxyde de carbone qui capable de faire où et il y a des problèmes et pour respirer bien qui capable même pour provoquer des cas d'étourdissement etc. Les produits tout. Ça veut dire que ça va dépendre de qui travaille ou fait, qui activité ou fait. Par exemple, nous, si nous prenons par exemple, et de côté, il y a des génératrices qui marchent, qui produisent ça. Mais s'ils sont mal placés, ça a un impact en tout. Ça veut dire que, oui, il y a des données qui sont disponibles, même pas gagner en tête, mais c'est surtout généralement des données qui sont disponibles par rapport à un monde qui est exposé, par rapport à lieu de travail, yo, qui est exposé à ça yo, et qui est capable de produire. Mais dans le cas d'Haïti, et à mon avis, bon, pas. Qu'on connaît des données qui sont disponibles pour montrer la quantité de monde qui est exposé à ça ou qui mourent. Et moi-même, en tant que chimiste qui analyse, je pense que c'est parce que monde est exposé à gaz ça qui fait le mourir. Par exemple, on doit arriver au monde dans tel coteau, tandis que monde a fait manger, il était dans la cuisine, il était dans le pardon, après ça, il mourir. Mais c'est parce que côté fou en place, il va arriver. Comme la peau du monoxyde de carbone, pour sentir que l'on a étouffé, il par contre ça qu'on fait pour y aérer, eh bien, c'est le monoxyde de carbone qui est inhalé et qui tue. Nous arrivons dans le bout de la première partie rubrique environnement et santé sur gaz échappement matériel motorisé et impact que vous avez sur la santé et l'environnement. Merci parce que vous êtes fidèle pour suivre la campagne de sensibilisation sur la protection de l'environnement. Restez branchés pour le deuxième numéro rubrique environnement et santé.